Bon, allez, je vous trouve la voie, effectivement, ça sera plus facile pour moi pour vous donner quelques barres ferrées pour un circuit de 150 km, 10 km au moins prévu par les organisateurs en raison d'un camionnage in extremis vendredi après-midi. Premier départ à 8h45 qui va se passer, on va dire. Sur cette manifestation, sur ce champ de la France, à Toulouse, ma chère, on a vu des dépens, on a vu des personnes qui se sont bien battues, et surtout parmi nous, notre discipline que vous tenez tant à cœur. La FFC est la seule fédération qui a officiellement reconnu le boucher en lui attribuant des épreuves avec un titre champion de France. Et merci aussi aux participants de le boucher, et là je tiens à le signaler, c'est la première fois aujourd'hui qu'ils sont aussi nombreux sur une cyclosportive. Ils étaient aujourd'hui 34 engagés. Donc voilà. On va passer un petit mot peut-être de ce Georges Olivier, président du comité départemental, et effectivement, c'est un honneur, c'est un honneur. Il conserve son titre. Alors voilà, record 29h à 56-600. Voilà, ça vous dit un petit peu le niveau de la personne. Fanny Lebert sur la plus haute marche du podium, notre ami Aurélien, donc même temps de l'AIS AVC Libourne. Alors là, on appelle le deuxième donc Geoffroy Lemierre, vous pouvez le reconnaître effectivement puisque c'est le garçon qui court sur le plan mondial. Troisième, Sébastien Courtais, le nom Sartre. Alors vous regarde. Allez, on peut dire à ce garçon, ce que je suis effectivement le nom de Pierre, il est dans le milieu. C'est le garçon qui a vécu de faire le tour de l'Europe pour être leur discipline. Donc,